Donc yo les gars, c'est une nouvelle vidéo avec Félix. Donc c'est la deuxième vidéo qu'on fait avec lui, je crois. Ouais, avec cette porte avec un 2. Maintenant vous avez la vérité. En tout cas, on va coacher Félix pour qu'il joue à Dazzled Moneyboard et on va le faire jouer. Il a jamais joué, hein. Il a jamais joué, il ne connaît pas le jeu. Alors là, tu cliques. Clique, tu continues. Juste clique. Voilà. Ensuite, la fais sur play. Et là, tu vas faire le premier. Arcade mode. Play, play. Tu fais play. De toute façon, on n'a pas le nightmare parce qu'on n'a pas allé sur la bonne version. On est... Bah non, je suis pas allé sur la version comme ça. On est sûr qu'il ira pas sur le nightmare mode. Fais skip. Tu peux skip, hein. Tu sais. Non, je veux voir. Ok. Ok. En tout cas, nous, on va vous le passer parce que vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente de on teste Dazzled Moneyboard. Alors voilà. Tu peux en prendre. Il faut juste te réexpliquer comment. Ah, vas-y. Déjà, je commence par. Attends, non. Regarde là le Mickman. Il faut que tu vois si c'est le vrai. Là, à la vue, tu vas me dire si tu trouves qu'il a l'air normal. À la vue, je pense. Il n'y a pas de défauts qui sont. Qui paraissent. Ouais, vraiment. Pour l'instant, ah non, je vois qu'il y a une oreille qui est plus proche de l'autre, qui est plus haute que l'autre. Ouais, mais ça c'est vraiment. Il n'y a pas des petits détails comme ça. Peut-être dans le Nightmare Mode, oui, mais pas ici. Parce que c'est le classique mode. Donc ensuite, je vais à ça. Ben non, ensuite, il faut que tu regardes il est dans quel étage avec ça. Ça? Ouais. Là, il va dire. L0302. 302, donc tu vas dans. Donc tu vas là. Ok. Je vais faire X là. Je vais dans 3. Là, 2. Ici. Là, tu as toutes ces informations. Il y a un long nez. Il y a un long nez. Il y a un menton fin. Puis c'est normal s'il y a pas, s'il y a un chapeau, puis sur l'image, il n'y a pas de chapeau, c'est normal. Puis aussi, il y a des yeux fatigués. Donc fatigués, genre. Des yeux fatigués. Il y a des cernes. Il y a des cheveux courts, puis il porte un chapeau. Sauf que sa photo, il porte pas de chapeau, c'est normal. Donc. Il y a des cheveux courts. Cheveux courts. Il y a un bon chapeau. Il y a un nez assez. Ça dit qu'il y a un nez long, mais il n'y a pas l'air d'avoir un nez. Mais oui, regarde d'où ouais, il part, son nez. Ouais, quand même. Il y a des yeux fatigués. Ouais, je dois aller ici, sur la liste. Ouais, mais ça, c'est attends, ici. Attends, est-ce qu'il peut-être que son menton, il est pas bon. Non, son menton, il est bon. Ok. Ok, ensuite, je vais regarder s'il est sur la liste. Ouais. Non, la liste, c'est pas ça. Sous la liste, déjà. C'est à quoi? En dessous du 3-3, 2-2-2. En dessous, le papier, ici. Ouais. Okay. Donc, oh, ouais, il est sur la liste. Donc, normalement, c'est peut-être le. C'est sûrement le bon. Ouais. Donc, okay, tu peux relancer. Non, mais il faudrait que tu regardes son idée s'il y a le logo DDD. Fais X. X. À côté de son papier, là, où est-ce que tu as regardé l'étage? Ouais. Ici? Ah. Non, sa carte. Ici? Ouais. Là, il y a le. Regarde, Félix. Faut toujours que tu regardes s'il y a ce logo là. Ça veut dire approuvé par le DDD. S'il le voit, c'est un doppelganger. Ok, donc là je fais ça. Non, attends. L'autre. Celui-là. Okay. Ici, okay. Faut que tu regardes la date d'expiration. Là. Parce que là, en ce moment, on est en 1955. Ouais, on est en 1955. Donc. Là, on est en 1964. Donc c'est pas expiré. Il y a le logo DDD. Là, son code, faut peut-être le voir. Ok, puis... Pour aller le voir, c'est dans l'étage là. Oui. Puis, non, il est là. 2, 3, 5, 5, 6, 9, 4, 1, 8, 9, 9, 5. Oula. Puis là, tu vas le revoir. On va voir si c'est bon. Je pense qu'il est bon. 2, 3, 5, 5, 6, 9, 4, 1, 8, 9, 9, 5. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et donc, je pense c'est le. Si t'es pas sûr, tu peux appeler chez eux avec ça. Mais non, mais il est sur la liste, ouais, normalement. Il est sur la liste, donc il est pas chez. Donc, j'appuie là-dessus. Ouais. Puis là, ensuite, faut que t'appuies sur le rouge. Parce que sinon, tout le monde va passer. Ouais, tout le monde va passer, puis là. Prochain voisin. Ok. Mia Stone. Mia qui danse le Mia. Non. Donc, parfait. Est-ce que c'est à la liste? C'est toujours le truc que tout le monde regarde en premier. Oui, c'est à la liste. Non, elle passe à la liste. Non, je la vois pas sur la liste. Demande-lui avec la checklist. Oui, c'est correct. Demande-lui. Dis-lui, elle passe à la liste. Fais X. Parce qu'elle pourrait s'énerver. Ici? Oui, là. Le fait is on the list today. Le fait X. Fais un X. X. Question de end de vidéo. Le chlic? Ouais. Hop, elle aurait pu s'énerver.
parce que j'ai dû quitter pour une urgence au travail. Mais quel genre d'urgence? Ouais, mais... Tout le monde nous dit ça. Oui. Et y a pas le côté de c'est un doppelganger. C'est ciao, madame. Non, je clique là-dessus. C'est ciao. Non, je clique là-dessus. Non, tu cliques sur le bouton en dessous. Oui, ça. Là, tu recliques. Non, tu recliques dessus. Ouais. Et là, tu vas sur la telle. Qui t'appelle 3-3-2. Tu glisses le 3 jusqu'à la flèche. Ouais. Encore. 3-3. Le 1. Là, tu fais le 1. 3-3. Ouais, t'as déjà fait 3-3. Non, non, non. Hein? Là, t'as fait 3-3-3. Ok, mais qu'est-ce que je dois faire? Là, tu fais go back. Tu refais 3-3-1-2. 3. Non, tu maintiens 3. 3. Tu glisses jusqu'à bas. Tu glisses jusqu'en bas. Ouais. Là, tu lâches. Ok. 3. 1. Et 2. 2. Ensuite, là, tu peux skip si tu veux, là. Alors. Ok, c'est quoi le prochain, là? C'est qui? Oh! Ça, c'est un doppelganger, hein? Tu es là, sans appuyer sur le bouton. Les gens voient à des un portier pour voir s'ils sont capables de dénicher le portier. Puis s'ils sont capables d'aller dehors sans se faire remarquer. Comme si c'était des personnes normales pour. Ça, c'est Ellen Noir. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que tout le monde. Ça veut dire qu'à la base. F1 is in cats. Ça veut dire qu'à la base, tout le monde était pareil. C'est ça que je comprends pas. C'est. Non. À la base. Mais il y en a deux. Mais oui. Oui, c'est des jumelles. Non, mais ça veut dire qu'à la base. F, c'est Ellen Noir. Admettons, il y avait deux Ellen Noir. Il y a la deuxième Ellen Noir, ils l'ont transformée en doppelganger. Alors, ce que je comprends pas là-dedans, dans cette théorie, ce qui fait pas de sens, c'est que pourquoi il y aurait deux Ellen Noir? Non, ils ont juste pris un humain normal, ils l'ont modifié pour qu'il ressemble à Ellen Noir, mais il est pas parfait. Alors. Non, c'est tu prends Ellen Noir le premier. Le premier? Ouais. Puis. Ben, parce que c'est Ellen Noir. No left je crois qu'elle est bonne, hein. Un neck, un qui. Ensuite, il y a sa liste. Ouais, Ellen Noir. Oui. Les deux sont sur la liste. Ils sont les deux sur le S104. Ensuite, ok. La date. Let's go. Il y a quand même une personne là. Let's go, t'as réussi. Yes! T'as un rang S! T'es pas mort! T'as un rang S, regarde! À ta première game! Attends, regarde! Wouhou! Neighbor qui l'est 0! Neighbor qui l'est 0! Double Yolun! Yes! Go. Rank S! Sur! Yeah. Hey, rang sur! Record! J'espère que vous avez apprécié la vidéo! Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous! Alors, c'était la première game à Félix! Et il est trop fort! Moi, ma première game, je faisais Un F. Non. F, c'est le pire, mais non, pour vrai, à ma première game, j'ai fait un S. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous. C'était Jean-Guillaume. Ciao.